Cameroonian press, Mr. President. Papa, pour Paul était encore jeune, hein? Mais le gars est là avec le grand Ronald Reagan. Le grand Ronald Reagan, l'un des présidents les plus respectés en Amérique. Même Donald Trump, dans son bureau, a la photo de Reagan. Donald Trump aurait aimé un jour serrer la main de Ronald Reagan, mais il n'a pas pu. Mais le grand Popol est assis avec Reagan. Il est assis avec un grand président. Papa Popol, hein, c'est un grand président. Un grand président. Le gars a connu Reagan, il a connu Bush père, il a connu Clinton, il a connu Bush fils, il a connu Obama, il va connaître Trump. Non, le gars est vraiment, non, le gars est fort. Le 6 novembre, le gars a prêté serment pour la 7e fois. La 7e fois. Vous imaginez, 7, le chiffre de la perfection. Perfection. Donc ce sera le mandat de la perfection. Tout sera parfait. Les cupidos seront parfaites. Tout sera parfait. Délestage parfait. C'est le chiffre de la perfection. Il a été élu un 7 octobre. Il prend mandat pour la 7e fois. Pour un mandat de 7 ans. Dans la perfection. Le gars arrive là. À l'Assemblée nationale, il arrive. J'ai vu prêter ses mains, j'ai pris ses mains, j'ai pris ses mains. Et Kavayegué là, le gars lit. Monsieur le président, est-ce que vous prêtez ses mains? Vous pouvez arriver là, il lève la main. Adosos, well. On a well, Popol. Après, il y a les gars là, il y a les Tontina qui dit que non, Paul Biya, il n'est pas bilingue. C'est un président qui doit être bilingue. Nous, les Tontina, nous sommes des bilingues. Mais lui, Popol, n'est pas bilingue. Popol est bilingue. Popol, c'est un président bilingue. Écoutez-le un peu. Our nation is bilingual, English and French, and is therefore fertile ground for American investors. Our two governments have signed an agreement on the reciprocal protection of investments, which will certainly encourage them. Et ce 6 novembre, il y a eu célébration. C'était la fête. Les gens ont bu, les gens ont dansé. Il y avait même les touristes. Les touristes, les voilà. Vous voyez le gars là, non? Le plus gros. Avec un sac à dos. Je suis sûr que dans ce sac à dos, il y a les sardines, voix de sardines, il y a les bouts de pain, les bouteilles de bière, parce que le gars était ici. Oui, oui, c'est ça. Quelle honte. La honte. La honte. Donc chez vous, il n'y a pas à manger. Jusqu'à vous voulez vous entretuer pour un bout de pain, pour une boîte de sardines, pour une bouteille de jus. Vous voulez vous tuer? Ya, 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 ya. Hé! La nourriture, la bagarre. Non, je vous connais, mais pendant la campagne, pour les vêtements, vous avez encore bagarré. Pas de l'avant, pas de l'avant pour Bia. Le peuple cameroun est dit pour Bia. Pas de l'avant, pas de l'avant pour Bia. Nous soutenons ton action, nous parlons de l'unité. Pas de l'avant, pas de l'avant pour Bia. Le peuple cameroun est dit pour Bia. Pas de l'avant.
Bon, franchement, hein, le 6 novembre, là, c'était franchement un jour de fête, de célébration. Même les femmes sont venues avec un chant. Elles ont chanté. Elles étaient contentes. Elles chantaient. Écoutons un peu les chants. Arrêtez le pénalty, le pénalty de Dieu, pénalty de Maurice Santo, Bolivia, meilleur gardien. Voilà, vous avez chanté, non? Mais est-ce que vous savez que la campagne ne dure pas 7 ans? La campagne dure seulement quelques mois. Le mandat dure 7 ans. Et pendant ces 7 ans-là, je ne suis pas sûr que vous auriez encore la sardine. Je ne suis pas du tout sûr. Vous allez manger vos dents. Vous avez célébré, non? Il y a maintenant la réalité. Vous allez passer le temps à vous plaindre, comme ces gens-ci. Tout le monde n'a pas eu. Les seaux et les fûts sont encore vides. On fera encore même un mois sans rien. Hein, si ce n'était pas cette société, on mourrait de soif. Il faut que le ministre, j'ai dit d'abord le ministre de la Santé aussi doit mettre la main, puisque c'est son village. Il doit nous créer les puits ici. On attend beaucoup, les forains, on attend beaucoup de lui et il ne fout rien. C'est malheureux pour le village des ministres qu'on n'a pas l'eau. Hein? C'est à lui qu'on lance ce message. Il faut que. C'est l'État. Nous aussi, nous sommes de l'État. L'État, ce n'est pas seulement les gens d'en haut. Nous, on souffre, nous, le bas peuple. On veut l'eau, on n'a pas l'eau. On n'a rien. On va vivre comment au Cameroun? Voilà Ebola qui est venu. On va soigner Ebola, éviter Ebola. Comment? Pour un seul camion, ça ne nous sert rien. Le quartier est vaste. Il faut que tout le monde ait moins un seau d'eau. Ici, en Siméon 3, lieu-dit rond-point Damas, le précieux liquide a disparu des robinets depuis 2006. Et seule cette hypothétique distribution d'eau donne l'espoir de pouvoir encore consommer une eau saine. Nous avons la pénurie d'eau depuis 8 ans. On n'a pas d'eau dans le quartier de rond-point Damas. Des populations qui s'offusquent des difficultés qu'elles rencontrent s'abreuvent d'eau émanant d'un conduit endommagé. On est obligé de se ravitailler au tuyau cassé comme ça, puisque même les maisons qui ont des robinets, l'eau ne coule pas. Franchement, nous sommes en train de demander au gouvernement de faire quelque chose pour la population de Sogoum. Par ailleurs, ces derniers dénoncent les promesses non tenues des élus locaux lors de la dernière campagne électorale. Oui, bon, ça c'est une vidéo que j'avais déjà postée, hein. La vidéo aussi, je l'ai postée une fois déjà. Hein. Les gars se plaignent, les gens qui ont voté. Ils sont pleins. Hein? Mais il y a la vie toujours après la campagne. Et pendant le mandat, il y a les plaintes. Thank you for your attention. Imagine.